Je m'appelle Chadrach Moutavi. Je travaille pour la GIZ, la coopération allemande au développement, et le programme de la sécurité alimentaire et de la résilience à la sécheresse de la GIZ dans le groupe Agriculture au Kenya. Je suis conseiller en politique. Notre sujet aujourd'hui est quels sont les processus typiques d'élaboration de politiques sur les terres et comment fonctionnent-ils. Je vais commencer par vous présenter les sujets que nous allons aborder. Tout d'abord, nous allons découvrir ou définir ce qu'est une politique. Puis, nous allons voir quels facteurs suscitent un processus politique. Ensuite, nous verrons certaines étapes clés du processus d'élaboration de nos politiques. Puis, nous verrons pourquoi nous investissons dans les politiques. Et ensuite, je vous donnerai quelques exemples de cas du Kenya. Une politique est une déclaration d'intention délibérée visant à atteindre un certain objectif. En général, les politiques se composent de déclarations qui guident les gouvernements sur la façon dont ils allouent les ressources et aussi les secteurs à travers lesquels ils allouent les ressources. Les gouvernements utilisent probablement les politiques pour identifier certains problèmes majeurs et s'y attaquer. Par exemple, la création d'emplois. La sécurité alimentaire ou des enjeux liés à l'utilisation des terres. C'est donc cela une politique. Voici certains exemples de politiques. Les documents parlementaires, les politiques nationales et probablement les lois gouvernementales ou certaines déclarations provenant de décrets-lois d'ordre plus élevé. C'est cela une politique. Quels facteurs clés occasionnent des processus politiques Ce pourraient être des décisions prises à un haut niveau, telles que des décisions prises au niveau national. Par exemple, au Kenya, nous avons le plan des Big Four. Ces quatre priorités ont été formulées par Son Excellence le président du Kenya. Et nous élaborons des politiques pour nous aligner dessus. Les Big Four au Kenya sont une sécurité alimentaire à 100%, l'industrie manufacturière, les logements et des soins de santé universels. Des processus politiques peuvent être aussi occasionnés si des parties prenantes au sein d'un secteur particulier rencontrent des problèmes. Ils pourraient faire passer cela au premier plan et ainsi des processus politiques pourraient débuter. Des processus politiques peuvent aussi être suscités à cause d'un changement de l'environnement extérieur. Par exemple, des engagements gouvernementaux au niveau international ou régional, voire même des engagements bilatéraux, peuvent pousser le gouvernement à élaborer des politiques pour s'y conformer. Des processus politiques peuvent aussi être occasionnés si le gouvernement a connaissance de nouvelles informations scientifiques validées. Cela pourrait engendrer le début d'un processus politique. Maintenant, nous allons voir les étapes clés des processus d'élaboration de politique. La première étape clé est l'examen politique, c'est-à-dire l'examen des problèmes. Il y a sûrement des problèmes, comme nous l'avons déjà mentionné. En général, c'est la première étape. Vous comprenez, vous voyez qu'ils sont bons et qu'ils fonctionnent. Qu Ils peuvent faire une politique. Puis l'étape suivante est l'analyse de ces problèmes. C'est ce qu'on appelle l'analyse des problèmes en termes de contexte politique. Vous procédez à une modélisation et étudiez-les en détail pour voir s'ils sont suffisamment bons pour faire une politique. À partir de là, vous formez une équipe qui intègre tous ces problèmes dans un projet de politique. Ce projet de politique est la première étape de l'élaboration d'une politique où tous les problèmes sont regroupés. Après cela, ce projet est soumis à des processus définis par les parties prenantes. Là, on en discute et les parties prenantes donnent leur avis. Après cette étape, le projet de politique est présenté à la plus haute institution du ministère en question pour qu'il se l'approprie. Si c'est le ministère de l'Agriculture, ce serait le secrétaire du cabinet et le secrétaire principal. Après se l'être approprié, et s'ils en sont satisfaits, alors ils le présentent au cabinet. Les mémorandums du cabinet sont présentés et soumis au cabinet pour approbation. Une fois que le cabinet les a approuvés, deux directions sont possibles en fonction du type de politique dont il s'agit. Si c'est une politique qui peut être mise en œuvre au sein des cadres existants, alors il prépare ce qu'on appelle un document parlementaire ordinaire qui va directement au Parlement pour être débattu. Puis la politique est promulguée. Si c'est une politique qui exige que de nouveaux cadres juridiques soient créés, alors on commence à préparer un projet de loi qui sera débattu au Parlement. Après avoir préparé ce projet de loi, le ministère qui a initié cette politique le présente au Parlement pour qu'il soit débattu. Le Parlement discute de ce projet de loi, débat de ce projet de loi trois fois durant trois séances. S'il est adopté, alors la loi est promulguée en l'espace de 14 jours. Vient ensuite la mise en œuvre avec la préparation des réglementations et des directives. Après ce que nous venons d'apprendre sur les processus politiques, j'aimerais faire une autre distinction au sujet des politiques qui ne génèrent qu'un document ordinaire ou document ordinaire commun au Parlement. Ce sont les politiques qui peuvent être mises en œuvre au sein des cadres gouvernementaux existants, voire même au sein des allocations des ressources existantes. Les politiques qui vont devenir des projets de loi sont les politiques qui auront besoin de nouveaux cadres juridiques, voire même de la création de nouvelles institutions. Ce sont les politiques pour lesquelles des projets de loi sont créés ou pour lesquelles le ministère compétent créera un projet de loi qui sera débattu au Parlement. Après avoir été débattu au Parlement et après sa promulgation, il sera nécessaire de préparer de nouvelles réglementations et directives indiquant comment ce projet de loi ou cette loi sera mise en œuvre. Maintenant, nous allons brièvement parler de pourquoi il est nécessaire de continuer à réviser les politiques. Il est possible que les politiques aient omis certaines choses pendant leur processus de développement. Les politiques peuvent omettre quelque chose de très important dans le processus et par conséquent, elles doivent être constamment révisées. De plus, la société change, la population augmente, et il y a aussi le problème du changement climatique. À cause de cela, il est nécessaire de continuer à réviser les politiques encore et encore. En outre, il y a le problème des technologies. Les technologies n'arrêtent pas d'évoluer. Ainsi, il faut élaborer les politiques de manière à ce qu'elles soient alignées sur les technologies actuelles. L'une des raisons pourrait être aussi être la société même. Il se peut que la société ait différentes valeurs, voire différents goûts. Et cela peut aussi engendrer la nécessité de réviser les politiques. J'aimerais vous donner un exemple tiré de la ville de Nairobi. Autour de Nairobi, il y avait beaucoup de plantations de café il y a quelque temps. Au fil du temps, ces plantations ont été subdivisées en petites parcelles et par conséquent, les gens construisent désormais des propriétés. C'est probablement un changement qui a lieu. Ça signifie qu'il est maintenant nécessaire de réviser et de vérifier la manière dont les terres sont utilisées autour de Nairobi. L'autre question qui se pose est pourquoi investissons-nous autant dans les politiques? Comme je l'ai déjà dit, les processus politiques sont coûteux. Mais pourquoi passons-nous autant de temps à investir dedans? La raison pour laquelle nous investissons autant dans les politiques est qu'une politique est comme un point d'appui, une pièce maîtresse. À gauche se trouvent les ressources gouvernementales, à droite les citoyens. Le levier de ce point d'appui, ce sont les programmes qui sont développés pour que le gouvernement puisse, en investissant dans ces programmes, élever le niveau de vie de ses citoyens. Le levier est maintenu sur le point d'appui par les faits scientifiques les accords et la bonne volonté politique. Développer des politiques est extrêmement important pour que nous ayons des services fournis de manière cohérente de la part du gouvernement et des partenaires de développement afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Le processus de développement de la politique nationale de gestion des soldes agricoles au Kenya a été déclenché par plusieurs facteurs. En premier lieu, des rapports du ministère de l'Agriculture et d'autres parties prenantes ont indiqué qu'il y avait un déclin continu de la productivité des sols et que les rendements des sols des exploitants baissaient en continu. Par ailleurs, les parties prenantes ont fait part de leur inquiétude quant à l'absence de coordination. De plus, il y avait des problèmes de cadre politique et juridique manquant à travers lesquels les problèmes liés au sol pouvaient être résolus. Cela a déclenché le début du processus d'élaboration d'une politique de gestion des sols. En même temps, il y avait aussi d'autres politiques existantes sur lesquelles la politique de gestion des sols devait également s'aligner. Il y avait l'enjeu de la Constitution du Kenya de 2010, l'enjeu de la politique nationale agricole, l'enjeu de la politique nationale d'irrigation et aussi l'enjeu de la politique nationale de mise en valeur des terres. Le processus de développement de la politique nationale de gestion des sols agricoles commença en 2001 lorsque les parties prenantes se réunirent pour voir quels étaient les problèmes. À cette époque, ils soulignèrent la nécessité de mettre en place une stratégie pour traiter les problèmes de gestion des sols. En 2006, un projet de texte politique fut mis en place pour traiter les problèmes de fertilité des sols. En 2014, un groupe de travail fut à nouveau mis en place pour préparer ce projet de texte de manière à ce qu'il inclut les enjeux liés à la Constitution. In 2015, en 2015, à l'occasion de la Global Soil Week, la semaine mondiale des sols, la secrétaire principale de l'époque au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madame Cicely Kariuki, évoqua la nécessité de soutenir le développement de la politique nationale de gestion des sols agricoles. À cette époque, la coopération allemande au développement, à travers de la GIZ, proposa de soutenir le processus et celui-ci commença. La première chose dans le processus fut de développer le groupe de travail interministériel afin de développer le document initial de la politique. Un document technique fut donc développé. Ce document fut soumis à certaines parties prenantes clés et surtout aux comtés qui choisirent les fonctionnaires clés des comtés, qu'on appelle les CEC, les membres du comité exécutif des comtés, du groupe de travail thématique sur la politique et la réglementation. Ils discutèrent de ce document. Après cela, ce document fut présenté à la direction du ministère de l'Agriculture, qui encore une fois donna son approbation. Après ça, le document fut placé dans deux quotidiens à large diffusion au Kenya les journaux Daily Nation et The Standard. Puis le document fut compilé encore une fois et attend désormais les consultations régionales. Après les consultations régionales, le document retournera encore une fois au ministère pour une touche finale. Pour que, après cela, nous puissions préparer un mémorandum du cabinet qui sera transmis au cabinet. Une fois que le cabinet l'aura examiné et approuvé, il verra si des changements institutionnels sont nécessaires et si, dans ce cas, un projet de loi sera développé. S'il n'y a aucune exigence institutionnelle, ce document deviendra un document ordinaire, un document parlementaire ordinaire, et sera transmis directement au Parlement. Voici donc le chemin qu'a parcouru jusqu'à présent la politique nationale de gestion des sols agricoles. Quel rôle les partenaires de développement jouent-ils dans les processus d'élaboration de politique les partenaires de développement jouent un rôle majeur dans les processus d'élaboration de politique en apportant les contributions nécessaires à ces processus. Ces contributions peuvent être d'ordre financier, mais aussi technique. Par exemple, au Kenya, la coopération allemande au développement fournit une grande assistance, non seulement pour le développement de la politique nationale de gestion des sols agricoles, mais aussi d'autres politiques telles que la politique nationale d'irrigation et son projet de loi. Grâce à la coopération allemande au développement, nous avons aussi pu soutenir les gouvernements des comtés à l'ouest du Kenya, plus particulièrement avec le programme de la sécurité alimentaire et de la résilience à la sécheresse. Nous aidons les comtés à construire les capacités nécessaires pour qu'ils puissent élaborer leur propre politique au niveau des comtés. Leur permettant ainsi de transposer les politiques nationales et d'élaborer leurs propres politiques basées sur les comtés. Ces dernières sont très importantes pour les comtés car il s'agit d'une contribution très importante au plan de développement plus large de ces comtés. Maintenant, nous allons passer aux leçons apprises dans les processus de développement de politiques. Nous avons appris que pendant les processus d'élaboration de politique, il fallait tenir compte de toutes les parties prenantes. Le processus politique et la politique appartiennent aux parties prenantes et par conséquent, il est primordial de les identifier toutes afin qu'elles puissent prendre part à l'ensemble du processus. Nous avons également appris que les données et les informations scientifiques devaient être simplifiées pour en faire des messages simples. De cette manière, toutes les parties prenantes et intéressées peuvent contribuer efficacement au processus d'élaboration de politique. En outre, nous avons appris que le processus d'élaboration de politique était très coûteux. En effet, en apportant toutes les contributions aux ateliers des parties prenantes ou aux consultants, nous avons appris que cela s'avérait coûteux, bien qu'il faille les utiliser prudemment. Nous avons aussi appris que chaque processus politique suivait son propre cours. Certains auront lieu plus rapidement, d'autres prendront plus de temps, et c'est assez normal pour un processus politique, c'est ce que nous avons découvert. Nous avons également découvert qu'il fallait un modèle, une sorte d'analyse indiquant quel pourrait être le résultat possible du processus politique. Cela sera d'une grande utilité pour l'ensemble du processus politique. Maintenant, j'aimerais vous dire quelle a été ma contribution au processus d'élaboration de politique ici au Kenya. Il y a quatre ans, j'ai été employé comme conseiller en politique pour la coopération allemande au développement. Durant cette période, j'ai participé à un nombre assez important de processus politiques, non seulement pour la politique nationale agricole de la gestion des sols, mais aussi pour la politique d'irrigation et d'autres politiques. À chaque fois, j'ai pu voir quelles contributions étaient nécessaires pour un processus politique particulier. Parfois, c'était des services de consultants. Dans ce cas-là, nous développons le mandat des consultants et gérons le processus de conseil jusqu'à ce que nous atteignions le résultat requis. Nous avons aussi pu soutenir les gouvernements des comtés lors des processus d'élaboration de politique. Nous avons renforcé les capacités et développé un programme de renforcement des capacités afin que les comtés soient en mesure d'élaborer leurs propres politiques et stratégies. Étant donné qu'au Kenya, il y a la décentralisation, qu'il y a un gouvernement national et les gouvernements des comtés, nous avons aidé le gouvernement national à développer un programme pour aider les comtés. Nous avons développé un programme grâce auquel nous avons encouragé les directeurs nationaux à aider les comtés à transposer les politiques nationales. C'est ce que nous avons fait pour la politique nationale d'irrigation et en ce moment même, elle est présentée au Parlement en troisième lecture. Je vous remercie pour votre participation à ce cours en ligne, ouvert et massif. Land Matters. Merci beaucoup et sachez que vous êtes les bienvenus au Kenya.